Parmi les quais sans papier, il vivait de services rendus chez l'habitant, des tout petits boulots au noir évidemment. On lui donnait la thune et il partait content dans son squat parfumé à un vieux hangar branlant, pas encore démoli, ouvert aux 80. Parmi les quais sans papier, il avait demandé par les voies officielles, paperasse classique, certif en ribambelle, un permis de séjour, sésame individuel, cet unique ticket pour accéder au ciel de nos villes adorables, accueillantes et si belles. Oh, et parmi les quais sans papier, il me disait chez nous, pas de prise de tête. Pour vous autres toubabs, c'est toujours jour de fête. Pour installer vos banques, ouvrir vos supérettes, pour manger nos poulets, croquer nos cacahuètes, pour bronzer au soleil et lorgner nos fillettes. Oh, et parmi les quais sans papier. Chez nous, je ne pleurniche pas, je fais semblant. On meurt tôt en moyenne, à peu près 50 ans. Palu, diarrhée, sida et tout le tremblement. Des gris-gris, des chansons, pas de médicaments. Ou alors bien trop cher pour soigner les enfants. Oh, et parmi les quais sans papier. Sans même avoir le temps de ranger son fourbi, un jour on l'a chopé. Manu Militari, collé dans un Airbus, puis retour au pays, et les gens du quartier l'ont vu partir ainsi. Sans sourciller, mon vieux, pas de bol, c'est la vie. Oh, et parmi les quais sans papier. Mais le temps d'un soupir, c'est-à-dire 3 mois plus tard, un soir de froid mauvais et de verglas, un froid à ne pas mettre un chien chaud dans un chat, je rencontre mon black, baguette sous le bras, une gamelle de ragoût dans son cabas. Oh, et parmi les quais sans papier. J'ai retrouvé mon black, il m'a dit, allons bon, fini les holidays, retour à la maison. Et oui, c'est comme ça, la mondialisation. Bientôt, plus de frontières, plus de visas, patron. Tu as voté pour ça, n'est-ce pas, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Oh, et parmi les quais sans papier. Oh, et parmi les quais sans papier. Oh, et parmi les quais sans papier. Oh, et parmi les quais sans papier.